maintenant, les poneys. Écoutez-moi bien. Nous sommes tout ouïes, n'est-ce pas, Bulk Biceps? Non, non, non. Moi, je suis tout muscle. Ouais. C'est bien d'en vouloir à fond, Bulk Biceps. Mais il faudra un peu plus que des muscles et des ouais pour participer au jeu d'Equestria. Nous sommes l'équipe de relais aérienne et il ne dépendra que de nous trois d'être qualifiés aux éliminatoires. Dois-je encore vous rappeler à quel point je veux dire, Poneyville souhaite que son équipe se qualifie et participe au jeu? Moi, je m'en souviens. Je veux vraiment, vraiment, vraiment qu'on soit qualifié pour toi et pour Poneyville. Ça va border! On crie très fort! Vive Poneyville! Vive Poneyville! Vive! Oh, merci Pinkie Pie. C'était très effrayant. Je veux dire, très encourageant. On compte sur toi pour crier de toutes tes forces quand on sera qualifié pour le relais aérien. Et encore plus fort quand on aura remporté la médaille d'or des Jeux d'Equestria! Pas si vite! Vous êtes peut-être bon, mais vous serez encore meilleur après avoir dégusté mes gâteaux aux pommes et au chocolat. Ils sont parfaits. Vive les gâteaux! C'est parti, l'équipe! Montrez-moi de quoi vous êtes capable. Fléchissez-moi ces genoux. Agitez-moi ces ailes. Et à trois, je veux que vos huit sabots quittent le sol, c'est compris? 1, 2, 3. Surtout, n'oubliez pas de respirer quand vous êtes là-haut. Et vive là! Pyramide? My little pony, my little pony. Aventure, pleine de joie, un immense cœur pur et fort à la fois, un brin de tendresse, c'est pas bien complexe, un tour de magie et c'est parti, tu es ma pony. L'amitié et la magie qui nous unit. Bonne chance, Rainbow Dash. Désolée de ne pas pouvoir voler avec toi pour le relais aérien, mais nous sommes déjà inscrits à la course céleste. Dommage qu'on ne puisse participer qu'à une seule épreuve. Oh, mais bon, c'est le règlement. Bonne chance. C'était gentil de ta part de t'inscrire dans une équipe qui n'a pas... les meilleurs champions de vol. J'ai pas fait ça pour être gentil. Je sais que je peux être à la hauteur, peu importe mes équipiers. Si je fais partie de l'équipe, on sera qualifiés pour les jeux, j'en suis certaine. Poneyville a vraiment beaucoup de chance de t'avoir. Oui, je suis géniale, je sais. Je suis tellement fière et heureuse de représenter Poneyville. Tenter de se qualifier pour les jeux, c'est déjà un grand honneur. J'espère seulement que je ne décevrai personne. Ils seront fiers de nous. Nous, on sera l'équipe avec la meilleure pom-pom poney du monde entier. Ouh, je suis impatiente de découvrir les tenues des autres poneys. Même si je suis déjà absolument sûre que rien n'égalera les uniformes que j'ai dessinés spécialement pour les Jeux d'Equestria. L'équipe sera qualifiée, c'est sûr, à condition de carburer au gâteau énergétique pomme-chocolat. J'ai trop hâte! C'est Rainbow Dash! C'est une vraie championne de vol! Il paraît qu'elle sera la troisième à voler pour le relais aérien, ce qui veut dire que les autres concurrents devront avoir pris une belle avance s'ils veulent la battre. Oh, les Wonder Bolts! Il paraît qu'ils vont voler pour Cloudsdale. Alors Cloudsdale va se qualifier, c'est sûr. Pour voler, il n'y a pas meilleur que... Et c'est dans la poche! Ah, heureux de voir qu'il y a au moins une concurrente sérieuse ici. Plus que 2 jours d'entraînement et on se reverra dans les airs, Rainbow Dash.
Si t'as de la chance. Oh, les Wonderbolts savent reconnaître une gagnante quand ils en voient une. Et c'est nous qui gagnerons si nous continuons à nous entraîner. Pas vrai, l'équipe? Oui. Ouais. Je suis d'accord, hurra! Un peu de gloves! Un peu de Dell! Qu'est-ce qu'on obtient? Gloves Dell! Wouhou! Où est-ce que je peux trouver des pompons comme ça? Alors, dois-je vous rappeler une fois de plus pourquoi nous sommes là? Peut-être! On veut être qualifiés. Nous devons être l'une des quatre premières équipes à franchir la ligne d'arrivée. Bulk Biceps, c'est toi qui vole en premier. Alors montre-moi ce que tu sais faire. Qu'est-ce que... Désolé, ce sont elles qui nous ont donné l'idée, mais... Ça vaut en bas, gâteau. Ils sont plus doués pour attraper les gâteaux. Écoutez, le passage du relais doit être souple et rapide. Vous ne devez pas rater un battement d'aile, ni descendre d'un seul crin. Et quoi qu'il arrive, ne le laissez pas tomber. Tu es vraiment, vraiment, vraiment sûr que tu es prêt? Je veux dire, si tu n'es pas vraiment sûr, je peux attendre. Je suis prêt! Ponyville mérite beaucoup mieux que ça. Je reviens avec un relais fraîchement rebain dans une minute. Mais on en avait besoin! Et je te signale que toutes les équipes n'ont pas un relais assorti aux couleurs de leur crinière ou de leurs sabots. Oh. Bon, d'accord, certaines équipes en ont. Certaines équipes ont quoi? Oh. Ont beaucoup plus de chances que d'autres de se qualifier pour les Jeux d'Equestria. Regardez et apprenez, les Clotsdale sont des Wonderbolts. Et les Wonderbolts sont les Pégases les plus incroyables du monde. Et en plus, ce sont mes héros. Alors, vous apprendrez peut-être quelque chose. Je vous en prie, apprenez quelque chose. Plus vite, Soarin, attrape le rythme. Tu peux faire beaucoup mieux que ça. Du moins, je l'espère. Entraînement! Entraînement! Ouais! Entraînement! Tu as rattrapé Soarin en plein ciel, et puis tu l'as ramené au sol, et maintenant, il est sain et sauf. Du moins, j'espère qu'il est sain et sauf. Tu es sain et sauf? Ah! Mon aile me fait mal. Oh! Mais je suis sûr qu'elle sera guérie pour le jour du concours. Oh, ah, ah, tu es la meilleure Rainbow Dash. Rien du tout. Mais si tu veux absolument me dire que je suis la meilleure, je ne vais pas t'en empêcher. Tu es la meilleure Rainbow Dash! Soarin l'a déjà dit, tu es en retard. C'est pas grave! C'est dur de perdre un équipier juste avant les éliminatoires. Mais j'y pense, t'as grandi à Cloudsdale. Ça veut dire que tu pourrais très bien voler avec nous. Voler? On veut dire t'entraîner. Et si tu t'entraînais avec nous jusqu'à ce que Soarin aille mieux? Qu'est-ce que t'en dis? Tu veux compléter notre équipe? Je sais pas trop. Mon équipe a besoin que je sois au mieux de ma forme pour avoir une chance de se qualifier. Je ne voudrais pas être épuisée au moment où les éliminatoires commenceront. Pourtant, tu as participé à des ateliers très exigeants à l'Académie des Wonderbolts et tu t'en es sortie sans aucun problème. Oui, c'est vrai que j'ai botté quelques croupes à l'Académie. Mais que vont penser mes coéquipiers quand ils me verront m'entraîner avec nos adversaires? Et pourquoi ils seraient au courant? Réfléchis, Rainbow Dash. Pour toi, c'est l'occasion ou jamais de voler avec les gagnants. Bon, d'accord, j'accepte. Sage décision, Rainbow Dash. Thank you.
Courage, petit biceps, tu peux y arriver. Et je suis prête à saisir le fer à cheval, si ça ne te dérange pas. De s'entraîner avec deux équipes, n'est-ce pas? Tu es au courant? Et les autres, ils savent? Non, ils sont trop occupés à s'entraîner pour se demander où tu peux bien disparaître. Écoute, j'ai vu les autres équipes s'entraîner et je suis sûre qu'on va se qualifier. Tu peux voler assez vite pour nous assurer la victoire. Mais on dirait que l'une des deux équipes avec lesquelles tu t'entraînes a un peu plus besoin de ton aide que l'autre. Mais c'est tellement plus amusant de travailler avec les gagnants qu'avec les non-gagnants. En plus, Ponyville se qualifiera quand même. Rainbow Dash, t'as une minute? Bien sûr. Tu pourrais vraiment faire la différence pour notre équipe et... On voudrait que tu rejoignes l'équipe de Cloudsdale. De façon permanente. L'aile de Soarin ne sera jamais guérie à temps pour le concours. Et nous voulons que tu voles avec nous. Bien sûr, ça veut dire que tu pourras pas voler pour l'équipe de Ponyville. Mais... Voyons les choses en face. Même avec toi dans leur équipe, leurs chances de se qualifier pour les jeux sont plutôt minces. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Eh bien, j'ai... Prends bien le temps de réfléchir. Ils veulent que moi, je vole avec eux. C'est un rêve qui devient réalité. Si tu voles pour Cloudsdale, Pinkie Pie n'aura plus aucun poney à encourager. Personne ne verra jamais les tenues de Rarity. Et Applejack aura préparé tous ses gâteaux aux pommes et au chocolat pour rien. Oh, mais j'ai tellement envie de voler avec la meilleure équipe. Qu'est-ce que tu ferais, toi? Je crois que c'est une décision que tu dois prendre toi-même. Le concours a lieu demain. Tu ferais mieux de réfléchir vite. Le médecin ne comprend pas du tout ce qui ne va pas chez toi. Rien ne va chez moi, absolument rien, tu comprends? Et ça, justement, ça guérit toi. Merci, Applejack. J'y serais jamais arrivée toute seule. Pour aller mieux, rien ne vaut un joli petit bandage personnalisé. En soie mauve avec quelques paillettes. Oui, peut-être bien.
Et comment se porte notre petite malade? Je me suis déjà sentie mieux. Nous voulions juste que tu saches que nous sommes vraiment désolés que tu sois blessée. Mais tu ne dois pas t'inquiéter parce que tu ne pourras pas concourir pour les éliminatoires. Tout se passera bien, t'as même déjà trouvé une remplaçante. Nous sommes tellement désolés que tu ne puisses pas participer. On sait à quel point tu adores voler et on voulait te promettre... Croix de bois, croix de fer! Que si on se qualifie pour participer au jeu d'Equestria et qu'on remporte tous une médaille d'or, on te donnera les nôtres. Parce que on sait à quel point les médailles d'or sont importantes pour toi. Merci. Je crois que Rainbow Dash a encore besoin de se reposer un peu. Bien sûr, Rainbow Dash, repose-toi. Tu sais, choisir de ne pas choisir... Ce n'est pas vraiment une décision. Tu as vraiment des amis formidables. Personne n'est venu me rendre visite à moi. J'imagine qu'ils sont trop occupés à s'entraîner. Mais j'espère que ton aile ira mieux très bientôt. Ah, elle est guérie. Mais je préfère la garder au chaud au cas où mon équipe voudrait que j'en revienne. Comment ça, ton aile est guérie? Spitfire et Fleetfoot m'ont dit que tu n'étais pas assez rétabli pour voler. Et à moi, ils ont dit qu'ils avaient peur que je ne sois pas encore assez en forme pour les éliminatoires et qu'ils préféraient concourir avec un autre poney. Cet autre poney, c'était moi. Jusqu'à ce que, enfin, jusqu'à ce que je sois blessée. Eh bien, on dirait qu'on n'a pas de chance, toi et moi. Cloudsdale a besoin de 3 poneys dans l'équipe pour se qualifier et Ponyville ne se qualifiera jamais sans toi. Dommage. Même avec la remplaçante de Rainbow Dash, je ne crois pas que notre équipe sera qualifiée. Ne le prends pas mal. Oh ! Mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ça maintenant ? Et qu'est-ce que tu voulais en faire avant ? Peut-être que mes tenues pour les jeux d'Equestria seront toujours à la mode l'année prochaine. Heureusement que je suis toujours en avance sur mon temps. Mais c'est Rainbow Dash ! Elle marche ? Est-ce que ça veut dire que tu te sens mieux? Je me sens très bien parce que... En fait, je n'ai jamais été blessée. J'ai fait semblant d'être blessée pour ne pas avoir à choisir entre les équipes de Ponyville et de Cloudsdale. Je voulais voler avec vous tous et la décision était trop difficile à prendre. Oh, Rainbow Dash, ne te sens pas obligée de nous choisir. Je sais que tu aimes gagner et tu devrais concourir avec l'équipe qui a le plus de chance. Maintenant, je sais à qui j'aurais dû rester loyale. Très bon choix. Toujours rester dans l'équipe des gagnants. Ponyville. Parce que ce n'est pas seulement l'endroit où je vis. C'est aussi là que se trouvent mes amis, les poneys qui se soucient vraiment de moi. Que je puisse les aider à gagner une course ou non. Ouais. T'es vraiment sûre de prendre la bonne décision? Vous m'avez menti au sujet de l'aile de Soarine uniquement pour que je vole avec vous. Vous êtes peut-être l'équipe des gagnants, mais peu importe, vous n'êtes pas le genre d'équipe dont j'ai envie de faire partie. Oh, Rainbow Dash, tu n'es pas n'importe qui. On l'a bien vu à l'académie et on le voit encore ici. Nous pourrions apprendre beaucoup d'une concurrente comme toi. Et je crois que c'est déjà le cas. Tu es prêt à voler? Sérieusement? J'aurais jamais dû te mentir ni essayer de te remplacer. Allez, Cloudsdale! Équipe de relais aérien de Ponyville, suivez-moi, nous avons une course à gagner! Ouais! Allez, Ponyville, courage! Vous pouvez y arriver!
Bonneville se qualifie. Mes amis. Parce que même si j'adore gagner, je les adore encore bien.